J'ai fait ma thèse en Chine, donc j'ai vécu avec les Chinois. Et je connais le peuple chinois. Et cette année, même j'étais en Chine, j'ai été surpris. Moi, j'ai fait la Chine dans les années 2004 à 2009. Tout a carrément changé. Les Chinois s'améliorent, continuent par s'améliorer. Pour la Chine, le développement, c'est le développement harmonieux de toute la population. C'est de mettre d'abord le peuple à l'aise. Quand vous prenez aujourd'hui le peuple chinois en comparaison de beaucoup de peuples dans le monde, je dirais que le peuple chinois est le peuple le mieux épanoui, le mieux développé. Parce que depuis les années 2020, on constate en Chine une amélioration significative des conditions de vie de la population en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de respect des droits de l'homme, en termes même de la vie en communauté. Donc la Chine est un pays vraiment à admirer.